Salut à tous, c'est Messi. Encore une belle journée. Aujourd'hui, petite marche sur les sommets, fantastique. Cette vidéo sera pour vous présenter mes deux haches. Je vous donnerai les détails un peu plus tard. Je vous montrerai comment elles fonctionnent, comment je les utilise, dans quel contexte. Hier, on a mangé un curry fait maison, c'était extrêmement bon. Fantastique. Le temps est à ravir aujourd'hui, vraiment beau. J'espère qu'au sommet on pourra voir le mont Fuji. Je vous ferai une vidéo dans tous les cas. Et puis là, juste apprécier le paysage, c'est vraiment magnifique. Super balade, on y va.
Bon, le kebab, j'ai déjà présenté. Donc, marque américaine. Celui-ci, c'est le BK2. Bon, en bâtonnage, extra. Ça marche vraiment bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux de mes haches que j'utilise régulièrement. Évidemment, la première, ça va être la Gerber. Je vous donne les détails tout de suite. Celle-ci, c'est une bûche japonaise, la NE865. Elle vaut 5000 yens. C'est la marque North Eagle et on trouve ça dans les magasins Keynes. Celle-ci, c'est la Hachette 17,5, elle fait 11 000 yens, marque américaine, Gerber, et je l'ai acheté chez Montbel. Alors celle-ci, elle fait 34 cm, 890 grammes. Celle-ci, 44 cm, 980 grammes. Bon, c'est pas le même poids, c'est pas non plus le même gabarit. Alors ça, c'est mon petit bois pour commencer mon feu. Je vais vous montrer un petit peu ce que peuvent faire ces petits monstres. Alors, je vais commencer par la plus petite. Mets les gants. Donc d'abord les deux sur une bûche simple. Voilà. Ensuite avec la Gerber. Bon, vraiment aucun problème. La coupe est nette, c'est rapide. On va faire une bûche un petit peu plus grosse. Pareil, difficile de résister à la Gerber. On va essayer avec la hache japonaise, plus maniable, mais là tomber sur un petit nœud, mais quand même elle passe. C'est un autre bois, parce que si on va commencer par celle-ci en premier, là, il n'y a qu'un petit bout qui est parti, on recommence. Pas se rater. Et voilà. Parfait. On va continuer avec la Gerber. La prise en main est un peu différente, mais bon, dans les deux cas, ça fonctionne vraiment bien. Thank you.
Ce soir, lentilles saucisses. Bien dormi. Ah, super. Prêt pour une nouvelle aventure. C'est chaud. Je suis descendu de par là. Là, c'est vraiment abrupt. Donc, j'ai mis une corde. J'ai pu descendre grâce à la corde. Et pour remonter, bah, pareil. Je vais utiliser la corde. Après, ça peut aller, mais là, c'est vraiment la partie la plus difficile. Là, je fais du riz, donc je vous montrerai après. On y va. Takimasu. À votre. Ouais, c'est bon. Bon appétit.
You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to. You can never.